Hello hello tout le monde, je suis vraiment ravi de vous retrouver pour ce nouveau vlog. Je me trouve en République Dominicaine pour un voyage de 2 semaines. Et je voulais vous emmener avec moi dans ce magnifique pays et vous prouver qu'il n'y avait pas que Punta Cana ici à faire en République Dominicaine. C'est parti. Pour ceux qui le savent, je me suis risqué à partir en voyage avec mon bras sortant de chirurgie. Bon, c'est pas grave, c'était ça ou alors justement rien faire en France. Quand tu viens ici, que tu loues une voiture et que tu as envie de faire un petit peu de randonnée, d'aller te perdre en République Dominicaine, eh bien c'est possible, comme ici à la cascade d'El Limon. Ça ne te suffit pas, il te reste toujours la baie de Samana, comme ici sur l'île de Cayo Levantado, passer un week-end avec tous les locaux, surtout comme maintenant, un week-end de Pâques, c'est super. Arrêt obligatoire aussi en République Dominicaine, Saint-Domingue, la capitale Santo Domingo. Je voulais vraiment me rendre ici parce que c'est ici qu'il y a les premières églises notamment et les premiers monastères des Amériques. Juste derrière moi se trouve la baie de Samana, c'est ici notamment que toutes les baleines, plus d'un millier de baleines viennent ici pour se reproduire de janvier jusqu'à mi-mars. Et on va se rendre juste en face au parc national de Los Haitises. Voilà, c'est ici que prend fin ce voyage en République Dominicaine. J'ai adoré passer du temps ici sur la deuxième plus grande île des Caraïbes. Pour mon prochain voyage, je ne pars pas très loin d'ici, je resterai dans les Caraïbes. Je vous en parlerai dans quelques mois. En attendant, j'espère qu'ici je t'ai montré qu'il n'y avait pas que Punta Cana à découvrir, mais que la République Dominicaine pouvait offrir autre chose. Je suis impatient de partager avec toi tes commentaires, tes remarques que tu peux faire sur ce voyage. Et puis quant à moi, je te donne rendez-vous pour un prochain raccourci. C'était Pete, ciao.